Salut tout le monde, alors je vais faire une... C'est un jeu ancien, mais franchement j'adorais ce jeu, donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Alors, un jeu Frontier 2, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit jeu de stratégie, où l'objectif c'est de développer son petit village. Au début on commence avec un petit village, et l'objectif c'est, bah, comme dans tous les jeux de stratégie, c'est de vaincre l'ennemi. Aujourd'hui je vais faire un petit gameplay, et si ça vous plaît, bah je vais peut-être faire les campagnes, ce que vous voulez. Franchement, moi j'adore ce jeu, c'est un de mes jeux préférés. Alors ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui se manifestent dans les commentaires pour me dire s'ils veulent ou pas une suite. Ah là là, quel enfant. Ah là là, ça me rappelle toute mon enfance, ça. Bon, pour débuter ce petit gameplay sur Royal Rumble 2, qu'est-ce que je m'embrouille là? Age of Empires 2 plutôt. Je vais commencer par un petit régicide, je vais vous expliquer ce que c'est et puis on va faire une petite partie. Alors, un régicide, l'objectif c'est de. En fait, vous avez un roi et l'objectif c'est de le protéger. Et si votre roi, bah, il meurt, et donc dans ce cas, bah, vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ouais, on va commencer à l'âge sombre, c'est la base. Parce que si je commence trop haut après, c'est plus drôle. Bon, on va faire contre un joueur. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour vous montrer ce que c'est. Voilà. Population 200. Oui, voilà. Allez, c'est parti. Petite musique en rapport avec la civilisation que vous choisissez au début. Voilà, comme je vous disais, le fameux roi que l'on va mettre dans son château. Ensuite, la première chose à faire, c'est surtout de... Surtout, c'est le plus important au début, c'est la nourriture. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Garnison. Voilà. Important au début, c'est la nourriture, parce que ça sert à faire des villageois et comme ça vous pourrez vous développer plus rapidement par la suite. Donc ce que je vous conseille, c'est vu qu'il y a une dizaine de villageois, vous en mettez 6 pour la nourriture. Ensuite vous cherchez un petit coin. Correctus. Vu qu'on est par là, il doit y avoir de Correctus. il doit y avoir du bois par là. Je vous conseille d'en mettre 3 pour le bois Ready. Et 1 pour l'or. Ah, l'or il est là. Non, une mine. Voilà. Bolden. Donc ici il va y avoir un petit peu de mouton. Ça aussi c'est important. Après il faut chercher de la nourriture. Ouais, je suis encore là. Donc là il y a quelques petits moutons. Ah voilà, il l'a trouvé. Le petit cachotier. Bolden. Il a trouvé, il l'a pas dit à ses amis. Bon, je crois que je vais pas aller jusqu'au bout, hein. Je crois que quand j'aurai terminé ma défense, je vous le dirai. Voilà. Et on s'arrêtera là. La suite, ce sera pour une autre fois. Ditch. Yay. Ditch. Hop là. Chopper. Ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre automatiquement des villageois à un endroit. Ready. Quitte à les prendre en chemin. Gather her. Comme ça. Bon, au début ça avance pas très vite.
Alors, qu'est-ce qu'il a par là, ce petit? Où est son château déjà? Là, on va carrément à la mort, j'ai l'impression. Peut pas les attaquer? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attendez, attendez. Diplomatie. Mais non! Moi, je veux que je sois un ennemi, moi. Bon. On le fera plus tard. Ok. Parce que ça sert à rien de rester allié. Bon. Mis à part ce petit problème. Mandatum, Gadara. Je crois que on va pouvoir évoluer tranquillement. Comme d'hab, je fais mes 10 petits villageois. Mandatum, Equilim. Ensuite, toi, tu vas devenir mon constructeur officiel. Ça sert à rien de faire un port, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Des habitations, ouais. Bolden. Ce que je vous conseille, c'est de les mettre Bolden. par groupe de 4. Bolden. Bolden. Voilà. Ouais, bon, quand il n'y a que deux personnes sur la map, il n'y a pas grand-chose à explorer, hein. Bon, vu que je l'ai mis en mode facile, ça va être assez simple. Bon, lui, il est en train de s'énerver. Non, je ne suis pas allié avec toi, d'accord? Oh, sinon ça sert à rien, le gameplay. Et les gens, ils vont dire, mais ça sert à rien. Voilà. Alors, tu resteras ennemi jusqu'à nouvel ordre. Et si tu me bats un jour, bah peut-être qu'on pourra redevenir alliés. Qui sait? Mais bon, je crois que j'ai trop joué à ce jeu pour perdre maintenant. En tout cas contre des ordis. Oh, il commence à y avoir tellement de gens au bois, c'est énorme. Je crois que je vais en mettre d'autres à la nourriture parce que là, ça m'a l'air un petit peu n'importe quoi. Voilà. On va commencer tout de suite de prendre toutes les ressources qu'il y a. Ah, il n'y avait pas beaucoup de bois, j'avais pas remarqué. Bon, pas grave. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à partir de l'âge féodal, vous commencez à construire des bâtiments militaires et puis vous recrutez quelques unités, pas beaucoup, mais juste. Juste histoire de dire, si tu m'attaques, je suis là quoi. Bon. Toi, tu reviens là. Greeting. Oh, on sait pas quoi faire. Ouh là là. Bon, Gatherer. est-ce qu'il a trouvé des animaux? Non. Il y a des moutons là. Ok. Mais il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'animaux sauvages là? Bon, vous allez tous Gatherer. faire ça. Ready. Je vais faire en sorte qu'il y en ait un qui fasse ça, Bolden. voilà. Oh. Ah, ça c'est très bien. Surtout en début de partie. Bon, enfin un petit peu mal aux villageois, mais ça rapporte beaucoup, beaucoup de nourriture. Et toi, tu vas aller là, tu vas construire un petit moulin. Il faut commencer à s'étendre aussi. Bon, il est où mon constructeur officiel? Ouais, Ready. je l'ai mis à la pierre. Bon, le prochain qui arrive, ce sera mon constructeur officiel. Ready. Toi, tu vas Bolden. attendre sagement les autres pour chasser. Correctus. Attends, comment on fait déjà pour avoir... Peut-être qu'il faut construire une caserne. On va voir. Bolden.
mon petit garde, voilà, parce que lui aussi il va attaquer le facochère. Voilà. Bon, l'autre, je crois, bientôt il va s'énerver, il va me dire c'est bon, on est en guerre. Alors qu'on vient à peine de commencer la partie. Excusez-moi pour ce bruit, c'est juste que j'ai un bug avec mes prises là. Bon, pour l'instant, ça ne sert à rien. Parce que moi, je vais commencer par les archers. Bolden. Ready. Toi. Non, tu vas faire ça toi aussi. Gatherer. Vous quatre, vous allez là. Et hop, vous allez chasser le facochère. Deep. Deux, vous allez alors. On peut placer une nourriture, il faut vite que eux. Ils aillent chasser du facochère là. Hunter. Voilà. Par contre, méfiez-vous parce que si c'est lui qui donne le dernier coup, la viande elle sera pas mangeable. Du coup, je vous conseille que tu donnes deux coups et après c'est bon. Yay. Bon, on n'a plus beaucoup de nourriture. Bolden, mandatum. Voilà. Ditch. Bon, maintenant toi. Tu vas délimiter les endroits où on va mettre notre défense. Parce que l'autre débile là, il vient de passer l'âge féodal. Et qui dit âge féodal dit unité. Par contre, il faudrait automatiser tout ça parce que sinon on va vite se retrouver débordé par les villageois inoccupés. Voilà, on va automatiser un petit peu tout ça. Attends, est-ce que j'ai un villageois inoccupé? Yay. Oui. Tu vas nous construire une petite écurie. Ici. Bolden. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a par ici? Une forêt. Voilà, il faut délimiter cette forêt. Et on va construire une muraille près de cette forêt. Par contre, il m'a l'air d'y avoir pas mal de loups par ici. Ça c'est chiant. Excusez-moi. Ça c'est pas très très cool pour nous. Ici il y a un chemin, ok. On s'éloigne un peu de la base, j'ai l'impression. On s'éloigne. Reviens mon petit. Tu t'es trop éloigné. Oh, vous avez déjà fini votre travail. Bon, Hunter. Il y a un deuxième facochère, vous avez de la chance. Greeton. Voilà. Greeting. Pas mal de nourriture sur eux. Ça va être très très bien pour nous. Bon, maintenant qu'on est un petit peu bien, on va pouvoir développer la rapidité d'extraction. Bon, la nourriture c'est quand même encore limite. Yay. Chopper. Toi, tu vas me déposer ça là. Tu vas me couper la ferme parce qu'on a beaucoup beaucoup de bois. Qu'est-ce qu'on fait avec du bois? Des archers. Voilà. Ready. Bolden. Bolden. Bon, je sais, là c'est Bolden. En mode facile, donc je fais quelques erreurs. Bolden. Calmez-vous. Bolden. J'ai le droit de faire des extras, d'accord? On recrute des éclaireurs, on s'amuse quoi. Allez! Bon. Un, deux, trois, quatre. On va vous mettre par là-bas. Il y a peut-être des trucs à chasser. Est-ce que.
Attends, parce que moi j'adore m'installer à des endroits totalement improbables. J'ai cru voir de la nourriture par là. C'est... Où ça? Moi ce que je vous conseille c'est au cas où que vous ayez un échappatoire. Voilà, ici, ça m'a l'air pas mal. Vous mettez une dizaine de villageois à un endroit, un petit forum. Et comme ça, au cas où vous faites attaquer ici, bah, vous avez un petit Greeted, coin de retrait quoi. Mandaten. Mais bon, faut qu'ils soient en groupe au cas où il y a des loups. Bon, toi t'es bloqué, ok, je vois ça, t'es coincé. Bon, je vois ce qu'il y a par ici. Alors, toi, tu m'explores par ici et toi, par ici. Attendez, j'ai cru voir du bleu. Ah ouais, c'était pas une blague en fait. C'est vraiment bleu. Voilà, toi, tu vas me poursuivre. Ready, Equilon, yes. Mandatum. Ah bah non, vous tous. Tiens. Yes. On a l'air d'être une bonne Yes. petite communauté. Vous allez aller Yes. là-bas. Il y a tout ce qu'il faut presque. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Toi, tu me dis où est-ce qu'il y a des loups? Oh, il y a un loup là. Oh, ils se font attaquer. Equilin. Mon chien, tu tues. Voilà. Correctus. Pourquoi je vous dis qu'il faut tous Yay. en groupe. Il peut toujours y avoir des risques. Pas mal de loups, hein, dans la forêt. Il y en a plein partout, c'est... Ah! Ah, j'avais pas vu ça. Je vais faire les derniers villageois. Parce que là, je pense qu'on va être pratiquement bon en termes de nombre. En attendant, lui, sans le vouloir, il nous fait vraiment explorer la map, hein. Bon, il va bientôt mourir, mais c'est pas grave. Correctus. Mandatum. Vous avez construit un petit moulin ici. Bolden. Voilà. Voilà. Un petit coin tranquillou quoi. Bon, lui, il reste plus que deux de vie. Peut-être qu'il va découvrir l'endroit où on est. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Greeting Bolden. Mandatum. Mandatum. Bolden. Merde, j'ai fail. Bon, c'est pas... Mandatum. Maintenant, on va commencer à faire les petits murs. Entre là et là, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Oh, ça va vite quand même la vitesse. Bolden. Voilà. Ça m'a l'air d'être un bon endroit ici. Ensuite, on va faire un autre ici. Et je crois que ce sera bon. Gatherer. Oui, carte de vœux, c'est ça, envoie tes cartes de vœux. Bolden. Ready. Bolden. Yay. Oh là, oh non. Oh, j'ai un manque en bois là, ça doit être Yay. incroyable. Dépêchez-vous, hein. Pas que ça va faire. Correctus. Correctus. Ah voilà, c'est bon, on a retrouvé du bois. Bolden. Chopper. Chopper. Yay. Qu'est-ce que tu fais toi? Ready. What are you doing? Chopper. Greeting. Chopper. Voilà. On va faire un petit camp de bûcheron. Ditch. Equilin. Equilin. Chopper. Yay. Attends. On va faire une petite porte. Bolden.
Voilà. Yay, yay. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il y a. Ah, attendez. Déjà ce qu'il y a là, voilà, comme ça on est sûr de chez sûr. Ah bah tiens, on avait raté un peu d'or. Maintenant tu vas là-bas. Et toi là, tu observes ce qu'il y a là-bas. Ready, Bolden, Greaton. Ready, Bolden, yay. Bolden. Greaton. Ah là là, mais qu'est-ce que vous faites, vous trois? Yay. Hop, hop, hop. Equilin. Vous quatre, là, vous avez l'air d'avoir envie de... Bolden. Yay. Bolden. Donc, vous voyez, au début, il se passe rien. Correct. Equilin. Faut juste... moi, ce que j'ai fait, j'ai un peu fait n'importe quoi. Parce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait vraiment aucun villageois qui ne fasse rien. Bolden. Bolden. Parce que ça, chaque villageois, il... Bolden. Il peut apporter quelque chose d'important. Bon, bon, bon. Dès qu'on passe à l'âge 3, ici, on construit un petit forum. Et on fait une petite ville. On étend notre territoire. Pourquoi je fais cet accent, je ne sais pas. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on fait une petite tour Bolden. Ici, et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. On va construire une petite muraille là. Et ça m'a l'air d'être la seule chose à faire. Y a pas... Là, il y a du bois partout. Hein. Partout, partout. Bon, vous cinq, je vous ai complètement zappé, c'est stupide Bolden. De ma part. Correctus, correctus. Hunter. Yay, Hunter. Ready. Hunter. Mandatum. Petit forgeron. Bolden. Donc ce que je vous conseille quand vous avez commencé à faire votre défense, c'est qu'avec les archers que vous avez fait là, bah, vous en mettez 5 dans la tour. Comme ça, bah, s'il attaque, il y aura 5 flèches qui sortiront de cette petite tour. Bolden. 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 Voilà. Maintenant, vous ici. Greeton Chopper. Vous avez construit un forum. Bolden. Qu'on s'installe. La portée, c'est le plus important au début. Yay. Faudrait libérer la zone. Donc, ce qu'on va faire. Voilà. Greeton. Ready. Bolden. Mandatum. Bolden. 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 Hop là. Un petit peu de maison, on peut aller jusqu'à 200. Hop là, petites améliorations qu'on aime bien. Voilà. Ready. Golden. Ça perso sert à rien puisqu'on n'a pas d'alliés. Quoi? Quelle est cette chose? Bon, heureusement c'est des ordures. Parce que sinon avec ce peu de niquer là, il aurait pu nous niquer. Calmez-vous. Que font ces gens? C'est bon, on a eu chaud. Chopper. C'était pas loin de le village. Hein.
Bon, 5, comme j'ai dit, 5. Allez, 5. Equalon, yay, yay. Fatal! Vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Bon, je pense pas qu'il va attaquer par là, mais c'est pas grave. Par contre, il faudrait faire très attention ici qu'il nous voit pas. Genre, faudrait faire une tour ici. Bolden. 1, 2, 3, 4, 5. 5 petits villageois. Hop là. Et voilà, nous nous défendons comme on peut. Bolden. Regardez, là, il y a le nombre de flèches qui a indiqué. 4 flèches, donc franchement, c'est pas négligeable. Bon, maintenant, j'avais dit que j'allais nettoyer cette zone des loups. Equalon, yay. Greeting. En fait, ici, il manque plus que de la pierre et c'est bon. Bolden. On a fait un petit repère tranquillou. Bolden. Bolden. Voilà. Exactement ce que je voulais. Que vous tuez les loups. Ben, c'est vrai, ils ont pas une bonne vue. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est où qu'on améliore Ready. la ligne de Bolden. tir? La ligne de mire, s'il vous plaît. Ready. Je crois que c'est à l'université. Bolden. On va faire genre, nous sommes dans une Mandatum. petite abbaye, excusez-moi. On va faire genre, allez. Nous sommes dans une petite Ready. abbaye. Voilà. Bolden. On est bon. J'adore cet endroit. On se développe comme on peut, hein. Alors, dans l'université. Franchement, la préparation, elle dure bien une trentaine de minutes, quoi. Ah, où c'est qu'on voit mieux? Bon. Tant qu'on y est. Ready. On va améliorer ça. Va falloir, par contre, construire un autre forum par ici. Ça peut être intéressant. Mais non, je pense que c'est chaud quand même. On Bolden. va juste faire une petite mine. Voilà. Et vous cinq, vous allez voir s'il n'y a pas de loup. Non, c'est bon, il m'a pas l'air d'y avoir beaucoup trop. Ah, 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 ah. On n'avait pas vu celui-là. Mandatum, Bolden, yay, Bolden, ready, Bolden. Yay, yay, Bolden, ready, Bolden, ready, Bolden, ready, Bolden, yay, Bolden. Mandatum. Bolden. Bon, vu que les gens qu'on a ramenés, ils sont un peu amochés. Bolden. On va faire deux petits moines. Ditch. Je crois qu'on a un peu nettoyé la zone des loups.
Dich. Et notre défense m'a l'air bien installée là. Batal. Donc le prochain épisode, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais il sera sur Mandatum. Tout simplement la destruction de l'ennemi. Ah, attendez. Je pense qu'ils sont légèrement buggés. Hein. En même temps, un jeu Vampire 2, c'est pas nouveau. Je vais juste les remettre à leur place. Et après, on arrêtera. Et on se quittera. Bon. Ce que je vais faire, c'est comme ça, vous savez ce que je vais faire. Voilà. Yay. Bolden. Voilà, vous voyez. Tous les préparatifs, ils sont là. Alors, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo.